Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude et je pense qu'après cette intro et surtout cette vidéo inattendue là qui pop un petit peu de nulle part. Alors voilà, vous l'avez vu dans le programme des vidéos mais vous vous êtes sûrement dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, la planète coaster, Halloween, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors franchement les amis, bombardez-moi cette barre de pouces bleus, je compte sur vous avec ce petit timelapse que vous voyez qui donc représente l'intro, la cinématique de début que vous avez vu, vous l'aurez compris. J'ai eu ce projet et vous savez que quand j'ai des idées, il faut que je le fasse tout de suite parce que sinon après ben mon imagination se fane et puis après c'est trop tard. Du coup j'ai sauté sur l'opportunité, donc là oui en effet on ne continue pas notre parc d'attractions Taki Park, notre parc d'attractions tropicale. Pour le moment c'est en suspens puisque j'ai vraiment voulu, voilà, d'un coup comme ça, c'est vraiment survenu de nulle part, mais du coup créer ce parc d'attractions spécialement pour Halloween, un parc d'attractions horrifique, et j'espère que vous allez kiffer les amis. Le but du jeu, c'est que ce parc soit terminé pour Halloween. Alors voilà les amis, je suis très 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 content et vous m'en direz encore une fois des nouvelles en commentaire. Je vais vous présenter le parc comme il est actuellement. Évidemment, c'est un début. Et en même temps, je vous montrerai après de jour, évidemment, de jour c'est une autre ambiance. Le but du jeu en fait c'est que ce parc ne soit accessible que de nuit. Donc un petit peu comme, voilà, il y a des parcs d'attractions genre Europa Park par exemple avec Traumatica, tout ce genre de choses où c'est que la nuit, enfin le soir en tout cas. Il y a également, on va dire, voilà. En tout cas là on va vraiment s'imaginer que c'est un parc uniquement horrifique, genre qui peut être ouvert, alors peut-être pas toute l'année évidemment, genre justement aux périodes d'Halloween. Mais en tout cas il faut vraiment s'imaginer que c'est un parc uniquement destiné à ça. Alors pour le moment, au niveau de l'entrée, je me suis pas cassé la tête. Regardez, je peux un petit peu allumer une petite lumière. Je me suis pas cassé la tête. Bon, c'est une entrée. En vrai, je suis quand même content parce que moi, je suis pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise avec les entrées. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai fait un petit triple chemin, triple entrée avec sur les côtés ici. Les points d'information, bon là il manque les vendeurs mais c'est pas grave. Donc les points d'information histoire de dire que ben, les gens peuvent acheter des passes prioritaires. Après on s'en fiche totalement des passes prioritaires, je vais être très honnête avec vous. Et puis l'allée centrale juste là avec les petits panneaux M-Colo Horror Show, bienvenue bien évidemment. Et pour la sortie juste là, au revoir. J'aurais pu mettre à jamais, mais bon après je me suis dit pourquoi pas. Alors des petits trucs sympas, regardez là la sorcière et tout. Voilà, j'ai fait quelques petits détails, je me suis fait plaisir parce que c'est Halloween quand même. Donc là je vais vous faire chier aujourd'hui parce que je vais vous montrer vraiment tous les détails que j'ai mis, parce que je l'ai fait avec le cœur. Alors l'allée centrale, l'allée principale bien sûr avec des lampadaires. Alors pareil, j'ai voulu, vous l'avez vu dans le timelapse, j'ai voulu créer des lampadaires custom mais rien ne me plaisait de ouf. Ça c'est les meilleurs lampadaires qui existent pour, bah voilà, lampadaires effrayants, mais c'est vraiment les meilleurs lampadaires pour les quartiers horrifiques. Et bah mine de rien, sachez que ces lampadaires là, donc les lampadaires victoriens, ça fait vraiment le taf. Du coup je les ai dupliqués et j'en ai fait 4 parce que initialement c'est des lampadaires qui ressemblent à ça. Et donc j'en ai dupliqué pour que ça fasse 4 comme ça et je pense que ça rend plutôt pas mal. On a ici une boutique souvenir. Évidemment tout a été fait par moi-même, de toute façon vous l'avez vu sur le timelapse. Le seul truc, je vais vous dire, le seul truc que je n'ai pas fait, c'est ça là-haut là, ce building. Ça, ça vient du workshop. Donc ce manoir là-haut, ça vient du workshop. Le reste, c'est toutes des constructions de moi. Et ça, ça vient du workshop. Mais en fait, c'est complètement con, puisque je ne savais pas, mais c'est tout simplement les citrouilles du jeu. Genre ça, ça vient du jeu, et ça, ça vient du workshop. Donc c'est juste débile, hein. C'est juste un assemblage de... que j'aurais pu faire, c'est pas un problème. Mais tout le reste, ça vient de moi. Du coup, voilà la petite boutique souvenir, customisée à l'intérieur également. Voilà, bon les vendeurs ne sont pas là, hein, y a personne. Des toiles d'araignée, des débris, machin. Derrière, bâtiment des employés, le petit classique évidemment. Donc là, bon, je vous montre pas l'intérieur, mais il y a 4 bâtiments d'employés. Avec ici l'accès évidemment pour les employés, donc accès interdit au personnel. Ici, on a à manger. On a à manger, donc là on peut manger, on peut boire. Et on peut aussi aller là. Là c'est la sortie d'attraction ici, de ce flat ride, mais c'est aussi, voilà, permet de récupérer à manger par ici. Il faut quand même se restaurer. Ah oui, un autre truc qui vient du workshop. C'est le seul truc qui vient du workshop également. C'est ça là, cette maison citrouille, que j'ai customisé pour faire des toilettes. J'ai mis des toilettes à l'intérieur. Voilà, je... Bon, là vous les voyez pas. Hop, vous voyez un peu. Attends, là, vous pouvez apercevoir les toilettes. Donc là, il y a des toilettes. J'ai ajouté le panneau. Pareil, des toilettes là-bas. Il y a des poubelles un petit peu partout de manière logique. Pareil pour les bancs, je les ai mis de manière logique. Comme vous pouvez le constater, je suis assez content. Et je vois bien l'ambiance. Genre là, c'est ténébreux, tout sombre. C'est un petit peu effrayant. Là, ici, là, je vois bien des gens se mettre sur le banc. Et genre, je sais pas, il y a un petit côté flippant. Enfin, en vrai, ça me fait kiffer. Halloween, vous savez quoi? C'est vraiment une festivité que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ce parc me tenait à cœur. Donc là, pareil, hein, on peut prendre à boire. Bâtiment des employés par derrière là, le petit chemin, tac 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 tac, juste ici, et vous voyez que Sabrina y ressort. S'appelle Sabrina, je la connais bien, c'est une très très bonne employée.
Fait une bonne petite pipe. Alors ensuite, du coup pour le moment on a un flat ride ici. La danse des sorcières. Avec une file d'attente plutôt, plutôt mignonne. Hop, alors pareil, du coup le thème couleur des employés c'est du mauve et du noir, hein, tout simplement. Donc voilà, pour la file d'attente, hop, je réteins la lumière avec des arbres magiques, des petites lumières. Voilà, c'est la forêt des sorcières. La forêt des sorcières avec des petites lumières que j'ai rajoutées. Regardez, par moment, ça va clignoter. Attention, l'épilepsie photosensible, bien évidemment. Regardez, 3, 2, 1, et voilà, ça clignote dans tous les sens, c'est formidable. Voilà, des petites automations qui font plaisir. Ah, je suis un petit peu un forain, moi, finalement. Je suis maître de la lumière. Je continue la file d'attente. Hop, on fait le tour par ici. Et voilà, tout simplement. Hop, 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 hop. Et on rentre là. Et on ressort là comme des... tout simplement. Donc comme ça, c'est relativement rapide, relativement pas mal. Donc des lumières hein, par-ci, par-là, des petites automations, bon, vous connaissez. Le flat ride d'ailleurs qui s'appelle Danse des sorcières. Oui, non mais attends, voilà, type 2 d'attraction forge. Avec un petit détail justement, ce qui m'a inspiré, c'est que juste au-dessus, j'ai mis une maison, la maison des sorcières. Hein, c'est ça ce qui m'a inspiré en fait, voilà, masure de sorcières. Je vous le montrerai de jour, mais ça rend vraiment pas mal. Hein. Ça rend vraiment pas mal, regardez, il y a des petites particules, machin, tac, tac, tac. Et les lumières, bien sûr, on n'oublie pas les lumières. Je suis fier de moi pour les lumières, je peux pas vous mentir. Je vous montre des petits détails, par exemple là, voilà, ce mage. C'est un mage. Non, c'est une sorcière, voilà. Une sorcière, tout simplement, sur cet arbre. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il y a ici. Au niveau de la végétation, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de sapins. Beaucoup d'arbres dans ce genre, des sapins, des... Alors, je vais vous dire, sapins, il y a autre chose encore. On sait que des sapins, mais de Douglas, mais il y a autre chose. Ah voilà, de l'épicéa noir. Je rajouterai également du bois de bouleau par-ci par-là. En fait, je me suis inspiré, tout bêtement, de mes forêts vosgiennes. Parce que, bah, mine de rien, elles font peur la nuit. Donc c'est assez facile à faire. Et là, un coaster, on va faire un on-ride. Je suis assez content, je suis assez satisfait. Ghost Cemetery, le cimetière fantôme avec, regardez, la sorcière qui passe là. Ouh, loulou, ça fait peur. Et en fait, là on a la sortie, on va y passer juste après. J'ai rien oublié ici, non c'est bon, on peut y aller, on peut y aller. Ghost Cemetery, donc là on rentre, la file d'attente commence ici. Donc là c'est pour vous dire, niveau rentabilité, on va être au top. On va être au top, et en fin de compte, regardez, on va rentrer dans un cimetière. Il y a beaucoup d'automation de lumière, je suis très content, bah regardez, vous le voyez. De toute façon vous avez vu la cinématique de début, je suis débile. On rentre dans le cimetière évidemment, avec ces petits lampadaires là qui sont parfaits pour les cimetières. Très honnêtement, voilà, je veux dire, tous les dimanches je fais des petites sorties en famille dans les cimetières. Alors, j'ai voulu rester, pareil, le parc n'a pas pour ambition d'être le plus réaliste et tout, mais moi voilà, moi tout ce qui sort de mon imagination je le fais. Donc forcément voilà, j'ai mis les panneaux danger, ne pas approcher. Le but c'est que les gens ne meurent pas. Le but c'est que le jour d'Halloween, en tout cas la veille, ce sera le dimanche, la vidéo finale je pense, eh ben j'ouvrirai au grand public. Et les gens vont s'éclater et on va regarder les gens s'éclater sur le parc. En vrai je pense que ça va être ça qui va se passer le jour d'Halloween. Donc voilà le cimetière. Des corbeaux, des... on sait pas ce que c'est, ça fait peur. Alors vous voyez, il n'y a pas de rambarde ici. Les gens, libres à eux, hein, s'ils veulent. C'est du décor, hein, c'est pas un vrai cimetière, il n'y a pas de cadavre, hein, je vous rassure. Hein. Donc les gens peuvent marcher où ils veulent. Hein. Hein, ça c'est comme dans beaucoup de parcs, hein. Les gens ils sont pas obligés de se suivre comme ça. Après, le respect quoi. Les gens vont pas se doubler dans la file d'attente, sinon ils vont se faire engueuler. Enfin, vous connaissez, il y a beaucoup de parcs, c'est comme ça. Donc voilà, la file d'attente, tac tac tac, on arrive ici. Avec là je suis content aussi là de la thématisation. Je vais pas vous mentir, je suis content là. Il y a un petit trou dans la tombe là, comme ça ça fait bien angoisser. Regardez là, c'est très sombre. C'est très très sombre. Beaucoup plus sombre. Là je peux vous dire que ceux qui sont là au niveau de la file d'attente, mais tu te chies dessus parce que bon là t'allumes la lumière, c'est bon quoi. Mais là, là tu flippes ta race. Là tu vois une petite silhouette, tu sais pas ce qu'il y a dans le coin là. Paf, bah y a rien. Y a rien si t'as une lumière. Mais en fait tu sais pas ce qu'il y a. T'es pas sûr. Ça fait peur. Et puis une fois que t'arrives là, voilà, tu rentres dans le vif du sujet. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop, et bah écoutez, on va prendre le coaster, on va prendre le train qui arrive. Voilà, et on va faire un petit on-ride, les amis. Et regardez, il y a de la fumée, des petits flashs. Et quand le coaster arrive, les lumières s'allument. Regardez. Évidemment, quoi, il s'arrête. Hein. Paf, voilà, retour à la réalité pour que les gens puissent descendre. Et puis dès que le coaster repart, les lumières s'éteignent, tout simplement. On est parti pour le on-ride. C'est parti, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Les lumières s'éteignent. C'est parti. Mon kiki.
Alors bien sûr, il manque encore les effets sonores et la musique pour ce coaster, mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment une idée un petit peu de comment ça se passe. Paf, les lumières qui s'allument et on peut sortir. Puis bien sûr, la file d'attente dans l'autre sens. Alors j'ai pensé évidemment au monsieur. Attends, j'allume la lumière. Évidemment, voilà, il a sa petite sortie ici, voilà, hein, tout simplement, logique. Rien de plus simple, vous voyez, j'ai pas fait de bâtiment, je me suis pas cassé la tête et ça rend vraiment pas mal en fait, hein. Autant rester simple. La sortie par ici, tac tac tac, vous avez vu, il n'y a pas d'escalier. Sous-entendu que mobilité réduite possible, voilà. Mais ça reste sous-entendu, bien évidemment. Et donc là, on passe en dessous du coaster. Bon, là, on verra pas, vous l'avez vu dans la cinématique de toute façon. Et puis pareil, là, avec un accès interdit au personnel. Et pour ce qui est de la sortie, ah bah là on va marcher. Alors il manque encore des arbres, il manque encore probablement, je ne sais pas s'il y aura des choses là, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, on est dans l'ambiance horrifique, on est dans la forêt et on va en chier pour revenir sur la place principale. Enfin, quand je dis qu'on va en chier, disons que l'ambiance est assez cocasse. Ah, ça, ce qui me plaît, ça fait plaisir. Alors ce jeu, c'est vraiment de la merde, regardez-moi ça, je n'avais pas ça tout à l'heure. C'est pénible. Ah non, mais regardez ces bugs de texture, c'est vraiment dommage. Bon, bref, c'est Planet Coaster quoi. Et hop, on marche et on arrive ici au niveau de la sortie. Je vais vous montrer de jour dans quelques instants, puisque d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu les petits détails qu'il y a dans ce coaster qui s'appelle donc Ghost Cemetery. J'ai utilisé, comme vous l'aurez compris, le roller coaster, bien évidemment. Je vais aussi vous parler de mes projets pour la suite de ce qu'on va faire sur le parc. Mais d'abord, donc, ce fameux manoir qu'on voit juste ici, bah justement, ça fait partie de ce projet. Donc là, il y aura probablement un petit chemin ici qui mènera soit directement en haut, ou soit ici, là, quelque part là, qui mènera tout de suite au coaster. Et il y aura un coaster qui va monter dans ce manoir. Alors le manoir, comme vous pouvez le voir, il y a une petite animation avec de la lumière, ce petit gargouille effrayante, bien sûr. Voilà, qui se fait éclairer de lumière rouge et de lumière blanche par moment. Et donc que l'on voit depuis en bas et qui rajoute un petit côté effrayant. Il manque encore quelques arbres. Et puis voilà. Donc en fait, dans l'idée, donc comme dit, ça vient du workshop. Hein, littéralement, ça vient du workshop. J'ai juste rajouté le sol. Le sol, du coup, c'est moi qui l'ai rajouté. Et le plafond ici. J'ai fait un faux plafond là. Et en fait, on va faire tout simplement un dark ride. Mais je sais pas si vous appelez ça un dark ride ou un coaster. Parce qu'en fait, on va utiliser, je pense, ce type de coaster là-bas que j'ai mis ici. Parce que j'ai jamais utilisé ça. J'ai essayé justement pour voir ce que ça rendrait. Et ça rendrait vraiment pas mal. Alors les amis, on va mettre le jour tout de suite. On va mettre le jour tout de suite les amis. Hop, d'accord. On va mettre 10h. Ah, tout de suite l'ambiance, ça change hein. Comme ça un petit peu vous voyez. En gros, juste ce truc là c'est génial. Donc c'est un mouse hunt. Du coup, ça fait partie des trucs horrifiques évidemment. Mais ça va rendre génial. Parce que c'est vraiment l'attraction où t'es à 2 maximum dedans. Et ça part individuellement. Ça part individuellement et c'est ultra brutal. C'est à la fois brutal et à la fois tu peux rendre ça smooth. Mais donc du coup t'as une rampe. La section montante à crémaillère, elle va jusqu'à 23 km/h. Alors on va faire un truc ridicule juste pour donner une idée. Et en fait, si on utilise ces rails là, c'est parfait, tu vois, tu peux faire ça fluide. Tu peux pas aller à plus de 10 degrés d'angle. Donc tu comprends que c'est plutôt pour du dark ride. Enfin pas... Là en l'occurrence ce sera un dark ride, mais je veux dire c'est fait pour ce genre de choses. Des trucs très serrés, très petits, très forains on va dire. Mais par contre si tu utilises là les rails alignés, mon pote, tu pars sur un délire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait c'est typiquement les trucs de fête foraine. Moi j'appelle ça les trucs de fête foraine hein. Genre tout serré où ça casse le dos et tout. En fait c'est totalement ça. Donc là pour vous montrer un petit peu l'idée, t'as des roues qui vont jusqu'à bon 13 km/h. C'est pas ouf, c'est déjà pas mal. Là on va faire un test. Et bah voilà, ça c'est les trucs qui sont inclus, mais vous avez à peu près l'idée du bordel. Et donc là, quand on commence le test, pour que vous voyez un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ça part. Donc là, regardez la vitesse de la crémaillère maximum. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Genre là, on va faire un truc très sympa. Ils vont être envoyés dans le château, ils vont rien comprendre, ils vont avoir très très peur. Bon là, il n'y a plus assez de vitesse. Mais pour vous dire à quel point on peut rendre le truc brutal ou quoi. Et je pense que ça aura complètement sa place, les amis, dans le manoir. En tout cas c'est sûr que ce truc là je vais l'utiliser. D'accord. Je vais vous montrer du coup un petit peu les détails. Bah ça évidemment je l'ai pas fait de moi même Je l'ai pris non pas sur le workshop mais sur les bâtiments déjà préfaits. Parce que le but du jeu c'est que vous voyez, de jour c'est pas ouf, mais de nuit, bah de nuit tu sais pas en fait. Genre de nuit c'est un petit détail, tu te dis il y a peut-être une chapelle. Enfin tu te dis il y a une église derrière, mais en fin de compte il y a même pas d'église hein. C'est ça ce qui est assez sympa. Donc un petit peu au niveau des détails. Bah, il y a des petites lumières aussi, voilà, pour un petit peu éclairer le Ghost Cemetery. Non, voilà, au niveau des détails, tout simplement, bah, il y a de la... Ah bah oui, ici, c'est le petit... on est passé un petit peu vite, mais en gros, il y a de la fumée dès que le coaster arrive là.
Là, il y a de la fumée aussi, du coup, on la voit pas trop quand il fait nuit, c'est dommage. Mais voyez, il y a de la fumée d'ambiance en fait là, quand le coaster passe. C'est dommage, de nuit en fait, la fumée ne se voit pas de la même façon que de jour. Bon, là, lui, vous l'avez vu, mais là, ça clignote. Et il y a de la fumée qui sort aussi quand le wagon passe, tac. Voilà, bah on voit même pas que ça clignote de toute façon là, vu qu'il fait jour. Mais il y a de la fumée qui passe, tac. Voilà, c'est pas toxique, je vous rassure, de toute façon on le respire pas dans la figure. Et puis là pareil, hop, le truc se met à tourner. Le truc se met à tourner, il y a de la fumée, tac tac tac, c'est magnifique, c'est formidable. Et voilà, tout simplement. Les lumières qui s'allument là, ça clignote, la tombe qui se met à s'éveiller, on sait pas pourquoi. Et puis voilà quoi, tout simplement, et puis là les flashs en bas. Vous voyez, là il n'y a pas de déco. Ah oui, j'ai mis de la toile d'araignée qui se voit même pas de nuit. Hein. Ça se voit même pas la nuit, c'est pareil, c'est nul à chier. Mais vous voyez, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de thématisation ici et ça sert à rien parce que de nuit on voit rien. Et c'est ça ce qui est cool. C'est un peu l'avantage quand tu fais un parc d'attraction nocturne, un parc d'attraction en tout cas horrifique, c'est que tu peux faire plein d'éléments qui font peur et en même temps si tu mets un endroit où il n'y a rien, bon, ça fera peur aussi et on saura même pas pourquoi, mais parce que juste il n'y a rien. C'est ça ce qui est cool. Non pas que c'est pauvre, mais du coup t'es pas obligé de trop en faire, tu vois, c'est pas Europa Park quoi. Et ça c'est cool. Du coup voilà à peu près. Après, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Je ne sais pas. Le but c'est pas qu'il y ait 30 000 attractions. Hein, il n'y aura pas de tour infernal, il n'y aura pas ci et ça. Ça va pas être Taki Park, hein, ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment un truc, il y aura que les trucs horrifiques. C'est vraiment de l'ambiance. Donc il y aura ça. Il y aura peut-être un dark ride comme on appelle tout simplement, et tu sais genre avec ça là, le train fantôme, tu vois, parce que c'est pas la même chose, ça c'est plus un coaster qui sera dark ride, et je sais pas si j'emploie les bons mots en tout cas, mais voilà, il y aura peut-être aussi ça en train fantôme probablement, ou ça hein, un des trois, mais pas les trois en même temps. Et en vrai il y aura peut-être aussi un autre flat ride dans ce genre, si vous avez des idées n'hésitez pas en commentaire, mais c'est tout. Après voilà, peut-être un labyrinthe. Ah, ça peut être pas mal un labyrinthe. Bon, j'ai pas trop envie de m'enflammer. Et Halloween, c'est quand même relativement bientôt, si je puis me permettre. Mais voilà, le but c'est que la veille d'Halloween, le parc ouvre et qu'on voit ensemble les visiteurs s'ils s'éclatent ou pas. C'est-à-dire que je vais pas l'ouvrir au public avant Halloween. Ça, c'est voilà la petite subtilité de ce type de vidéo. Ça va être assez intéressant. Et puis voilà, après, j'ai pas l'ambition de faire une allée tout autour de cette montagne. Ça va être très chiant. Vraiment, tout va être axé ici, quoi. Hein. Tout va être axé ici, là, peut-être, un petit peu. Un petit peu là. Là je promets pas parce qu'ici c'est une sortie. Donc on verra vraiment peut-être là. Voilà, là il y aura peut-être eu un truc. À la one again les gars. Enfin pas à la one again hein, c'est bien structuré. Mais le but c'est pas de s'étendre trop loin, parce que sinon on va faire de la D. Et dans un parc horrifique t'as pas envie de marcher 50 000 km. Voilà, t'as assez d'ambiance. Genre là tu sais, genre là tu marches suffisamment. Là tu marches suffisamment de manière horrifique. Donc c'est plutôt pas mal. J'attends vos retours avec impatience, j'espère que je vous ai surpris. J'espère vraiment que je vous ai surpris et que vous allez me bombarder cette barre de like, parce que Halloween c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Je vous le dis, Halloween c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et bon d'ailleurs la semaine avant Halloween, je pense qu'on va faire des lives jeux d'horreur, même des vidéos jeux d'horreur. Bon en tout cas on va se concentrer sur Planet Coaster dans tous les cas, mais on fera des lives jeux d'horreur, ça c'est clair. Mes voisins vont porter plainte, mais c'est pas grave. Au moins j'aurais fait du contenu divertissant pour 15 viewers, c'est l'essentiel. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Suivez-moi sur Twitch, bien sûr, en description. Et puis à très vite, le pouce bleu, des bisous, ciao tout le monde.